Il voyait très loin. Oh, il a dit, vous savez, un jour, il faudra accueillir les pays de l'Est dans l'Union européenne. Bon, personne n'aurait dit ça. On m'a souvent posé la question, le secret de Jean Monnet. Bon, je réponds d'ailleurs que s'il avait un secret, c'est qu'il faisait confiance. Schumann a fait confiance en Monnet, Monnet a fait confiance en Schumann. Il était impatient et quand, ici, au château de Val-Duchesse, les négociations s'enlisaient, il a dit, écoutez, maintenant, je vous donne 2 heures. 2 heures. Si vous n'avez pas réussi dans les 2 heures qui viennent, je fais une grande conférence de presse et j'explique au monde entier que l'Europe ne s'est pas faite à cause de bananes. Und als dann Schumann diese im Quai d'Orsay diese Pressekonferenz abhielt im Uhrensaal, da war das genau das, was er erwartet hatte, und da war dann sozusagen ein Handschlag da. Posso dire che avendolo visto lavorare per il futuro d'Europa sia veramente un europeo venuto dal futuro.